L'alimentation est basée sur un nombre très restreint d'aliments. Le taux de maïs, des légumes feuilles, l'arachide. Il faut politiquement que la question de la diversité alimentaire soit une question transversale à plusieurs ministères. Donner une autre vision en fait de l'alimentation qui apporte de meilleurs nutriments aux populations, que ce ne soit pas qu'un problème médical. Il y a une certaine diversité de production, mais cette diversité de production est dominée essentiellement par le maïs et le coton. Et c'est là où on a introduit le mung bean, on a introduit la papaye, on a introduit la patate douce à chair orange. On a vu dans l'étude que cette biodiversité contribue à l'amélioration de la diversité alimentaire des femmes et partant de là des ménages. Promouvoir des moyens de conservation comme la fermentation ou le séchage, car les aliments périssables, les fruits et les légumes, sont consommés principalement pendant les périodes de récolte, faute de moyens de conservation.